Bonjour à tous et bienvenue dans Keyforge. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau duel où nous avons, vous avez vu comme vous avez pu le voir, sélectionné ce deck-ci, The Pampered Virtuoso Baron of Karangal. Voilà, je l'ai joué hier vite fait, donc j'avais envie de le rejouer avec vous en vidéo. Il m'a beaucoup plu et j'aime bien essayer un petit peu de me forcer à jouer un deck et d'essayer de comprendre comment il fonctionne. Alors, est-ce que je veux Mulligan? Toujours ce principe de Mulligan qui parfois m'embête un petit peu. Par contre, je pourrais clairement mulligan vu que je vais pouvoir jouer qu'une seule carte. Pas très intelligent, pas très intéressant. Je vais pas pouvoir jouer assez rapidement. Oui, je vais mulligan. Oh, dis, je mulligan, il me remet Getaway to 10. Je mulligan exprès pour pas tomber sur Getaway to 10 en fait. Parce que j'aime pas l'avoir au début, elle me sert strictement à rien. Oh là 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 là. Et je peux jouer qu'une seule carte hein, de toute façon. Elle sert à rien. Oh, deux cartes qui me servent à rien. Mais je vais faire ça. Archive carte. Bien. Ok, d'accord. On va faire Logos. Hop. Play 10 créatures. Et fin du tour. Ah, c'est un peu dommage. Je fais exprès de. Comment? De mulligan pour pas retomber sur un Getaway to 10. Et je retombe dessus. C'est pas trop grave. Mais donc, avec ceci, on va essayer de archiver des cartes telles que Getaway to 10 ou Baited Switch. Histoire de justement. Pouvoir les garder pour les utiliser au moment opportun, tandis que lui, il me fait perdre un, sans pas que je gagnais. Comment ça se fait que j'ai capturé? Comment ça se fait que j'ai deux trucs? Et je mets, il met deux sur une créature ennemie, qui fait que quand elle mourra, je suppose que, eh bien, il va les récupérer. Là, j'ai très envie de jouer 10. Sans utiliser ceci, ça pourrait être plus tard, ça pourrait être plus tard. Ça, c'est franchement embêtant. On pourrait partir sur cette idée, on pourrait partir sur cette stratégie en mode mettre ça, envoyer toutes les créatures à la purge qu'on va jouer, et en fait moi je le laissais mettre plein de créatures, gagner plein de points, tout détruire, et ouais ok d'accord. On va partir sur un petit truc que je ne vous dis pas que ça va fonctionner, hein. Clairement ça va être marrant. On va partir sur ça, je défausse face pas ça, ou alors j'archive direct ça, mais c'est un peu dommage, je peux la garder en main simplement, tant pis. Hop, ok, d'accord. On va partir sur 10. Ça, on le fait pas. Ça, on la défausse parce que je vais pas l'utiliser. Ça, je la mets. Ça, je la mets. Ceci, je la mets. Je gagne 1 du coup. Ceci, je la garde bien en main parce que je peux pas encore rip avec. Donc, je la garde en main pour l'utiliser quand il aura mis plein de créatures. Et ceci, quand il aura plein de. Ok, d'accord. Quand il aura plein d'ambre. Fin du tour. Oui, je veux que ce soit la fin de mon tour. Parfait. En attendant, on ne se refuse pas de jouer, hein. Et en gros, ces deux cartes-ci, c'est ça, l'archive, elle est vachement cool, en fait, finalement, à force de jouer. Par exemple, ici, si je rip et que je peux, du coup, que j'arrivais à archiver, même si à mon avis, il va activer ceci qui va m'attaquer, hein, tant pis. Mais si j'arrive à archiver ces deux cartes-là qui sont là, c'est-à-dire qu'au moment où je dois les avoir besoin, hop, je les récupère. Et ça, c'est génial. À l'inverse, Cléonis lose one number. Je perds un nombre. À cause de quoi? Je ne sais pas exactement. Wow. Wow. Bon, on recommence. Ça. Ok. Ceci. Purger créature. If play. Ok, d'accord. Ceci, il me permettait de draw une carte. Et là. Pourquoi est-ce que j'ai perdu moi? Pourquoi je perds? Je comprends pas pourquoi je perds un nombre. Pourquoi j'ai perdu un nombre, j'ai pas compris. Ah, pardon, j'ai très bien compris maintenant. Voilà, il suffit juste de regarder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous? Il a 0 ambre, donc toujours pas utilisé bait and switch. Il a plein de créatures, donc Getaway to 10 est envisageable, mais pas trop. Moi, j'irais bien archiver. J'irais bien jouer vers du Logos. Il va pas le faire ça, mais c'est pas grave. Ok, donc je vais faire du Logos. On va faire jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que je vais jouer une carte comme celle-ci, par exemple, je repioche une autre. Je peux stun une créature. J'ai pas envie qu'il pioche. Chaque clé nous coûte moins 1, ça me dérange pas obligatoirement. J'ai pas envie qu'il pioche, donc on va faire play this upgrade sur celui-là. J'ai pioché une créature qui me dit. Ouais, tant pis, je la joue quand même juste en mode il faut que j'aie des créatures.
Là, je joue quand même juste en mode il faut que j'ai des créatures. Ça, c'est vraiment bien parce que j'ai été chercher. Là, je vais rip et je vais rip Getaway to Disc clairement. Parce qu'à mon avis, ceci, je vais l'utiliser au prochain tour. Je vais rip with this créature. J'archive Getaway to Disc. Et 1, 2, 3, 4 cartes dans ma main. J'ai bien utilisé tout. C'est la fin de mon tour. Je trouve que ce tour-ci était complet. Wouah! Et alors là, vous allez me dire, waouh, c'est génial! J'ai que des cartes Shadow à pouvoir jouer. Donc, clairement, au tour suivant, j'active Shadow. À chaque fois qu'une créature est tuée, ça va là. C'est pas cool. Je sais pas, ça me fait beaucoup de créatures à pouvoir mettre en jeu. Waouh, 1, 2, 3, 4. Je sais pas ce qu'il vient de faire, mais il a fait 3 dégâts à toutes les créatures. D'accord. Le gars, il voulait vraiment se faire du mal. Ok. Alors ça, qu'est-ce que ça va nous faire? Waouh, ok. Et alors ils aiment bien prendre. Waouh, ok, ils aiment vraiment bien prendre possession du terrain, les gens. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, il y a deux choix. Soit je récupère dans mes archives eh bien, Getaway to Disc et je l'utilise. Et je détruis toutes ces créatures. Et je tire pas avantage du fait qu'il ait eu plein de créatures. Soit. Je. Comment? Soit j'active Shadow. Et alors là, ça sert à rien pour l'instant, malheureusement. Je pourrais utiliser un artefact comme s'il était le mien, ce qui me permettrait de purger une créature. De purger une de ces créatures qui m'embêterait vraiment fort. Ou pourquoi pas. Même si de toute façon, ouais, ok, pourquoi pas. Ça, ouais, ok. Ceci. Faire 2 dégâts à toutes les créatures. Ça fait déjà mal, hein. Ça lui ferait déjà mal. J'ai un peu du. En fait, j'ai presque envie de passer mon tour à rien faire. J'ai presque envie de ça. Parce que ceci. En fait, j'attends qu'ils prennent vraiment possession de quelque chose. Mettre des créatures en jeu, ce serait dommage parce que je vais les perdre. Garder ça en main, garder mes créatures en jeu, jouer ça. Ça lui fait perdre des créatures dans un sens, on peut peut-être pas trop se plaindre qu'il perd des créatures s'il en perd. Sauf celle-ci qui va mourir. Tant pis. Et ça, jouer ça. Pas jouer ça, rien faire d'autre. Donc en gros, faire un petit shadow. Ok, on va faire un petit shadow. Non, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc on va faire play this artifact. On va faire. Attends, 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 attends. Ah bah ici, en fait j'ai pas le choix, dommage, je vais perdre cette créature, j'ai pas fait attention à ça. Et là. Je regarde un petit peu si je dois pas en mettre une quand même pour faire genre. Tu vois? Parce que je dois pas en mettre une pour dire genre, hé hey là, coucou, vas-y. Non, allez, non. Oui. Hop, j'ai récupéré une shadow, c'est pas plus mal. Et ceci. Ok, c'est chaud, hein. C'est chaud ce que j'essaie de faire parce que c'est une stratégie un petit peu bizarre. Je ne vous le cache pas. D'essayer. Wow, ok. Il rip. En gros, il est en train de gagner plein de ambre. Moi, en fait, c'est ça l'idée. Je veux qu'il gagne plein de ambre pour faire un bait and switch. Point, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est ça un peu l'idée. Mais il n'en a pas encore assez. 5, il va monter à 6 là. Il archive une créature. Ok. Il est à 6. Ok. Je vais lui voler. Faire des dégâts et gagner. Donc moi je vais passer à 6. Pas mettre de créature normalement. L'idée c'est ça. Est-ce qu'il peut. Tu veux pas passer à 7? Ce serait sympa. Ok, il est à 6 tout pile. Getaway ne sert à rien pour l'instant. Mon Getaway to 10 en fait sert à rien et je peux imaginer que c'est moi qui prends possession du terrain avec les Shadows. On peut partir sur cette stratégie. Est-ce que c'est quelque chose que je vais activer va lui faire gagner à lui? Non, non, non. Non. Ok, donc on va utiliser Shadow. Non. On fait bait and switch. Hop, c'est moi qui gagne ça. Ensuite, je vais détruire un petit peu ces créatures tout en activant.
On va jouer cette créature, on va jouer cette créature à droite et on va jouer cette créature à droite. Et si je rip, je peux faire quelque chose de sympa. On va jouer cet upgrade sur celui-ci. Et on va faire ceci. Ceci. Il faut que je tue une de ces deux-là. Ça revient au même. Boum. Et du coup, moi je suis à 6. Lui il est à 4. C'est la fin de mon tour. C'est pas trop mal joué, hein. C'est pas trop mal joué. Moi je suis à 6. Lui il est à 4. Donc il n'a pas pu forger sa clé. C'était un petit peu important. Je prends un petit peu possession du terrain en lui disant vas-y, fais-moi quelque chose. Lui il a pas de 10, hein. Alors, ok. Il a utilisé ceci. Il a mis une créature dans son archive. Et ce sera mis dans sa main. Il remet une autre créature. Ok, il joue encore une créature. Oh, ok, il y a plein de créatures qui. Il met plein de créatures sur le terrain. Ce deck-là, c'est un deck créature. Boum, que des créatures. Ok, il rip pour en avoir 6. Ok. Ce sera à moi de faire quelque chose pour qu'il ne puisse pas lui forger et que moi je puisse forger. Ok, moi j'ai forgé. Je suis à 0, il est à 6. La bait and switch, j'en aurais bien besoin. Mais je sais pas aller la récupérer. On est d'accord. À moins que. On regarde. Ok, je pourrais activer Logos me permettant de, on va dire, avoir une carte en plus. Et de détruire une créature endommagée. Ok, pas génial. Je pourrais faire ceci pour lui voler 1. Ça l'embête. Et pour faire 2 dommages à une créature. Et si ça la détruit, lui voler 1. Encore, lui voler 2. En plus de ça, lui voler 3. Lui voler 3. Faire peut-être même voler 4. Voler 4, c'est vachement pas mal. Ou alors je peux faire ceci pour dire qu'il ne peut pas jouer plus que 2 cartes par tour. Je pourrais choisir une maison et je reprendrai toutes les créatures de cette maison de ma discard pile. Ben, c'est toutes les créatures. C'est ça le problème, hein. J'ai 0 créatures parce que toutes les créatures. Dès qu'il y a des créatures. Et grâce à cette magnifique carte qui est vraiment particulière, eh bien. Tout le monde meurt, va dans la purge. Donc on ne peut pas récupérer les créatures qu'on a. Ok, on ne peut pas récupérer les créatures qu'on a. J'imagine bien plus Shadow. Mais en fait, c'est parce que je voyais faire ça aussi, lui demander que ça coûte plus cher. Mais on va faire Shadow. Dans mon archive, non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Est-ce qu'il y a un ordre particulier? Pas obligatoirement. D'accord. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Bon, on va mettre ça à gauche. Je vais mettre cette créature à gauche. Hop, je lui vole 1. Jusque-là, on est bon. Ensuite, je vais pouvoir faire. De là, je peux faire mon action. Je lui vole 2. Ceci, je peux rip avec. Mais attaquer, c'est complètement débile. Donc, je rip. Moi, je suis à 3. Tout va bien. Alors, ensuite, deal 2 dommages à une créature. Et si elle est détruite, ça vole 1. Quand il est sur les flancs, il n'est pas sur les flancs. Ok, je peux faire 2 dégâts à celle-ci par exemple. Qui franchement, je joue cette action, boum. Je suis à 5. Et parfait en fait, moi je vais même repasser à 6. C'est génial, c'est une belle action que je viens de faire. Et là donc, une dommage à une créature à celle-ci ou à celle-ci, ça revient au même, sauf que là celle-ci. Et en plus ça fait que moi ça coûte moins cher, donc ça m'intéresse. Boum. Je suis à 6, il est à 3, donc clairement lui ne pourra pas forger. Et moi, s'il m'en vole même un, mais qu'il garde cette créature, je peux forger. J'ai 4 cartes, j'ai utilisé tout, fin du tour. Boum! Je suis assez fier de comment ça vient de se passer. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai tout quand même mon Getaway to 10 qui est là, au cas où. C'est ça qui est vachement pas mal avec cette archive. Même si ma stratégie de base évolue, parce que je chope en fonction des cartes que j'ai et de la manière dont il réagit, bah, j'avance quoi. Par contre, lui, il va vraiment être embêté, je crois, parce que si c'est vraiment un deck créature, créature, on va dire, il y a beaucoup de cartes purgées. Et parce que c'est vrai qu'il m'a mis énorme. Regarde, il continue à mettre des créatures. J'ai pas compris. Je devais défausser toutes mes cartes actives et y gagner un pour chaque carte fait comme ça. Celle-là. Ok. Donc moi, je perdais pas. C'est ça. Si je dois défausser toutes mes cartes là, c'est beaucoup, c'est fort. Oh.
Ah oui, mais ben, Play, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il s'est rien passé? Ah, toutes mes... Ah, oh! Toutes les cartes de mes archives. Et il a pioché autant de cartes. Ok, d'accord. Waouh, c'est un peu embêtant ça. Surtout que c'était Getaway to 10. Ah, c'est un peu embêtant parce qu'il est en train de prendre possession alors que moi j'espérais vraiment. Mais normalement... Voilà, toutes les créatures, c'est un peu dommage. Ok. Je suis quand même à 2. J'ai quand même réussi à forger. Je suis pas si mal que ça. Il est à 4, donc lui ne peut pas forger pour l'instant. J'ai plus d'archives, donc à nous de bien vérifier ce qu'on fait. Je gagne une carte en plus. Je détruirai une créature qui aurait des dégâts. Je pourrais archiver le top de mes cartes. Je pourrais activer Shadow. Il est entre ready. Je peux du coup faire pas mal de choses embêtantes. Notamment gagner des... et lui voler, etc. Ou alors je peux activer les 10 pour l'empêcher de jouer plein de cartes. Retourner toutes des créatures, j'ai pas de créatures, mais c'est pas grave. Bon, donc tout coup, pas la jouer. Mais surtout, lui demander que ça coûte plus 3, ça sert à rien. Utiliser une créature et ami pour lui voler 1. Donc ça ferait 1, 2. En gros, je lui vole 1 et je passe à 1. C'est pas génial, mais je lui vole, donc c'est emmerdant pour lui. Autre possibilité, c'est de mettre ça là. De clairement pouvoir faire. Rip, rip, rip. Donc ça fait 1, 2, 2, 3, mais en plus je lui vole. 3 en lui volant. Avec une créature de 2 qui est prête. Je pourrais faire une petite attaque. En fait, je m'en fous de cette créature-là. On s'en fout. Je pourrais faire une petite attaque peut-être sur ça. Et détruire cette créature-là. Et faire une petite attaque dans l'idée de pouvoir la détruire après. Ce qui l'empêche, parce qu'il y a des chances que je vais vienne à jouer un Logos. Et donc qu'elle soit vraiment utile. Ceci, est-ce que ça m'intéresse de la détruire? Pour l'instant, non. Hein. Elle me fait pas. Elle m'embête pas plus que ça. Je crois que le Play Shadow est un peu plus logique. Utiliser ce que j'ai. Et je vais la jouer à. Voilà. Ça revient un petit peu au même. Alors, ceci, on rip. Ceci, on rip. Ceci, on utilise cette action. Donc, je lui vole, je suis déjà à 3. Je lui détruis. Je viens de passer à 4. Hein. Je pourrais presque être à 5. 5, ça m'est pas utile. Donc on reste à 4 en anticipant un petit peu un dégât là-dessus. Mais lui il va me tuer du coup. Ce serait dommage. C'est dommage. Non, on fait rip. Je passe à 5, c'est pas grave. Pas du tout. Et, pourquoi est-ce que j'ai pas attaqué? Bah, parce que clairement c'est... Pour moi, non pas clairement, mais pour moi c'est plus intéressant de pas attaquer et de passer à 5. Parce qu'en fait attaquer ça va détruire ma créature qui est là. Ce qui est un peu dommage. Je préfère que lui fasse les attaques on va dire. Et puis ça me rapproche, hein. Il a zéro, il n'en a pas hein, de clés qui sont forgées. Ok, tu vois, il vient de m'attaquer. Il vient de détruire une autre créature, donc lui il vient de perdre du temps. Et moi, clairement, ce temps, il me dérange, ça, moi, je m'en fous. Et en plus, du coup, comme il vient d'endommager une de ses créatures, c'est vrai qu'au final, comme il a les deux, si pour détruire mes créatures, il doit endommager les siennes. Donc pour l'instant, ça fonctionne toujours. Pour l'instant, ça fonctionne toujours. Et gros avantage que j'ai pour l'instant, attention parce que hein, les retournements de situation, c'est genre maintenant que ça risque d'arriver. Mais c'est vraiment l'idée que j'ai déjà deux clés de forgée, j'ai 5 ambres et il n'a pas l'air de trop partir sur du vol d'ambre. Donc plus j'arrive à monter en mon ambre, mieux c'est. Là, ce qui m'embête, c'est Logos. Hein. C'est vraiment ce genre de choses qui permet de faire plein d'interactions. Donc à nous de voir. À nous de voir, à nous de voir. À nous de voir, qu'est-ce qu'il va faire? On attend toujours. Moi, je regarde un petit peu. Donc, il peut faire cette action pour piocher une carte. Il pourrait faire ça pour pour purger une créature. Et du coup, il me donnerait le contrôle. Je comprends pas pourquoi il l'utilise pas. Il va sans doute l'utiliser, hein. Parce que lui, il en a marre que je lui vole, à mon avis. Ceci, il va piocher une carte quand il se bat. Ok, moi, je gagne le contrôle, mais il faudrait que j'active les logos. Donc, si j'ai pas, bah, je vais les activer en plus.
Ça paraissait assez logique hein, qu'il fasse ça. Ça paraissait assez logique. Ok. Ok. Donc il a que 5. Hein. Que les choses soient claires, il a que 5. Moi j'ai ça. Ok. Mais il faudrait que je gagne 1. Simplement. Hein. Il a que 5. Donc je suis pas obligé d'aller. Parce que l'idée de base était de faire ça, détruire une créature endommagée, archiver, pouvoir archiver, mettre ça. Mais est-ce que c'est vraiment utile, sachant que tout ce qu'il faut pour l'instant, c'est que je gagne 6, patienter un tour que lui ne fait rien pour m'empêcher de gagner, et au tour suivant, j'ai gagné. Point. Donc je crois que c'est vraiment ça qu'il faut penser, c'est se dire, bah, tour suivant, j'ai gagné si je joue simplement. Hein. Jouer Shadow, c'est un peu middle. Ça va pas me permettre. Et puis lui voler, ça sert à rien. Et là, bah, je pourrais juste rip, faire un dégât 6, c'est un peu dommage. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre de plus intéressant à faire, c'est les 10. Jouer ceci. Arise, ça sert vraiment à rien, on est d'accord. Hein. J'ai pas de créature à récupérer. Ok, donc je prends pas Arise, je m'en défausse. Je joue ceci qui me permet de choisir une maison. Et il doit choisir cette maison au prochain tour. Il vient de jouer beaucoup de Logos, on est d'accord. Donc il a envie de jouer. Il y a beaucoup de Logos qui lui permet de faire beaucoup de choses. Archiver une carte, etc. Ah, je pourrais choisir. Je sais pas ce que je dois choisir. Les Martiens. Ça peut lui permettre. Non, pas les Martiens, pas les Logos. Choisir les autres qui s'appellent les Untamed. Et du coup, normalement, me permettre de gagner la partie. Ok. Donc nous, on prend les 10. On fait ceci. Et en plus, l'empêcher de jouer. Ah oh oui, je crois que ma manière de jouer est vraiment géniale. Ah oh oui, vraiment, je viens de me rendre compte de plein de choses. Ceci, on s'en défausse, ça va aller assez vite. Hein. Ceci, on joue cette action, on choisit, c'est pas les Bromgar qu'il doit jouer le prochain tour. On fait ceci qui me permet d'utiliser une créature, je fais ça, je rip avec, comme ça moi je passe vraiment à 7. Je fais ça pour dire que hop, lui, ça passe à un gros coup. Est-ce que je peux jouer ça? Non. Est-ce que je peux jouer ça? Non. Et j'ai terminé, et normalement c'est GG. Hein. Parce qu'il est obligé de choisir les Brogmar. Donc il va seulement pouvoir mettre des créatures en place. Il peut jouer que deux cartes maximum. Ça m'étonnerait que dans les Brogmar, dans les deux cartes des Brogmar, il m'empêche de forger cette clé. Franchement, je crois que j'ai assez bien joué. Ah, peut-être qu'il va me voyer. Peut-être qu'il va me voler quelque chose. Ok, jusque-là c'est bon. Jusque-là c'est bon. GG. GG, hein? Ouais, alors passe ton tour, comme ça j'ai gagné. Oh, dis! Oh! Il me propose même pas ma victoire là. Dis donc, c'est quoi cette manière de jouer là? Ah, ça c'est vraiment pas sympa! Il veut pas que j'aie ma troisième clé forgée et que du coup j'aille gagner! J'attends un tout petit peu voir s'il a pas un bug, mais sinon de base, ben voilà, effectivement. Ouais, super partie. Ce deck est un peu particulier, vraiment. Il est bien. Et franchement, je trouve qu'il tourne assez bien. Mais il faut bien l'appréhender. Franchement, j'ai fait plusieurs parties. Il y en a plusieurs que j'ai perdu parce que j'avais pas tout pris en considération. Il y a vraiment cette idée de bait and switch qui nous permet de choper de prendre tous les ombres que l'autre a. Ghetto 8 ou 10 qui est vraiment très utile, par exemple là clairement, vous voyez, hop, tout ça, Ghetto 8 ou 10, tout ça disparaît. Ceci est un petit peu particulier parce que parfois ça m'embête moi d'avoir des créatures qui vont dans la purge, hein, parce que regardez, dans notre purge on a toutes nos créatures, donc on n'arrive pas à les récupérer, mais essentiellement si on regarde on n'a pas trop, on a des créatures, mais on n'en a pas énormément non plus, et puis on peut les perdre, on n'en a pas obligatoirement besoin de les récupérer. Et ouais, donc le deck, je trouve qu'il est assez bien réfléchi. Même si on sait que c'est des decks qui sont faits au hasard, avec un algorithme et tout. Mais celui-ci fait partie des decks où je me dis, mais il y a une logique dans tout. Des Logos qui nous permettent d'archiver des cartes, notamment des Bait and Switch, des Ghetto 8 ou 10, ou d'autres cartes qui vous semblent nécessaires en fonction du deck contre qui vous tombez. Qui vous permettent de détruire par exemple des créatures, d'augmenter un peu votre main, regardez là, archiver une carte et jouer le début d'une carte de notre deck, donc franchement plutôt assez positif. Des cartes 10 qui sont clairement qui sont là pour bloquer l'autre,
augmenter sa valeur de clé, capturer, il y a des cartes qui capturent, qu'est-ce que ça fait ça? Détruire toutes les créatures avec des points des ombres dessus. Et ça, j'ai fait une partie juste avant, je vous l'explique, mais il avait une créature qui disait que à chaque fois que je devais gagner de l'ombre, ça allait sur la créature. Je mets ma flèche là. Et ben, clairement, cette carte-ci m'aurait été bien utile parce que j'avais genre à un moment 7 ombres sur sa carte. Et j'arrivais pas à terminer cette créature, il détruisait dès que je mettais quelque chose en place. Ben, celle-ci m'aurait été bien utile. Ouais, donc dans les 10, il y a vraiment beaucoup de cartes. Ça peut être très utile aussi. Si vous n'avez pas ceci, si ça-ci n'est pas activé, boum, vous avez ça, vous récupérez plein de créatures que vous avez perdues. Gateway to 10, très important, très intéressant. Et puis après, les Shadows qui vraiment vous permettent de voler. Moi, j'aime bien. Les Shadows, ils sont embêtants. Hein. Ils sont embêtants parce qu'ils permettent vraiment d'aller. On vole, on fait des dégâts aux des créatures. Bait and Switch, c'est horrible. C'est les créatures qui volent. Voler des ombres à l'autre, c'est embêtant. Cette carte, ça, si, est vraiment. Elle a l'air de rien, mais elle est très intéressante parce que nous, ça nous permet de monter en ombre. Voilà, de voler. Et j'aime bien aussi, je viens de l'avoir, ceci en Logos. Boum boum boum. Jusqu'à la fin du tour, toutes les cartes qu'on va jouer vont nous permettre de piocher. Donc ça fait tourner votre deck. Mais ceci, si jamais on est en retard, c'est pas assez. On peut l'avoir. Ça fait partie des cartes par exemple du deck où clairement je vois pas énormément leur utilité. Après, simplement, c'est une carte qui joue, qui vous fait gagner un ombre. Donc déjà une carte qui vous fait gagner un ombre, c'est suffisant. C'est déjà suffisant. Et bah voilà, si jamais vous arrivez à l'anticiper. Il y a vraiment des situations où elle pourrait être très intéressante à jouer et où clairement il va devoir nous donner, par exemple s'il a 7 ou 8 ambres, il va devoir forger, il va en avoir 2 encore, et ben boum, on les récupère. Ça peut vraiment être intéressant. Il y a un monde où c'est bien à jouer. Bait and Switch, ce serait clairement à jouer après nous avoir forgé une clé, quoi, quand on a 0, que lui il a 5 ou 6, et boum, on en récupère. Voilà, vraiment, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Encore une fois, un super duel sur ce logiciel. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet. Ça peut vraiment être sympa d'avoir plus de joueurs et que du coup ce soit plus facile pour trouver des gens. Je vous dis à très vite. Bisous, bye bye!